J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. J'ai 1 heure devant moi pour te faire une séance bras magique, pour te partager un maximum de motivation et un maximum d'efforts et pour que je me fasse mal parce que c'est important. Premier exercice, je vais faire ce que j'appelle l'escalier. On va bosser en full supination et se faire mal. Pour moi, l'escalier va me permettre de me mettre dans ma séance, va me permettre de me mettre dedans, va me permettre de m'énerver. Même si que là, je suis déjà un peu énervé, mais là, je serai prêt en termes de congestion, en termes de focus, en termes de mental, de mindset, tout ce que tu veux. Faire ça au warm-up, c'est assez violent. Je suis déjà échauffé, j'ai fait une séance juste avant. Je fais des vidéos programmes pour la chaîne YouTube secondaire. Mais là, je viens de m'arracher, là. Ok, donc j'ai pris les 10 kilos. On sera en full supination. On va se faire une répétition, descendre, compter 2 secondes en bas, 2 répétitions, compter 2 secondes en bas et faire ça bien. D'habitude, j'aime bien faire 2 secondes avec la contraction, mais là, je l'ai compté en bas. Ok? C'est le début de séance. On commence énervé, mais on va pas trop se cramer non plus. C'est parti. Ouh. Jusqu'à 10. Hop. On y va. Une. Une. Deux. Une. Deux. Une. Deux. Une. Deux. Trois. Une. Deux. Une. Deux. Trois. 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, dernière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Là, je sens que je suis bien. Là, je suis chaud. Mes biceps sont prêts. J'ai mal. On va passer au premier exercice. Par contre, les biceps, comme je le dis souvent, c'est un muscle ingrat. C'est un muscle qu'il faut fracasser. C'est un muscle qui te fait mal vite. Mais il faut aller au-delà de cette douleur. Il faut les matraquer, mettre de la charge, faire des escaliers, mettre des tempos, faire des biceps. Il faut que tu les matraques, c'est important. Moi, pour moi, il est important de rentrer dans sa séance. C'est important d'être dans un état où tu es focus, où tu es énervé, où tu fais ça bien. À partir du moment où tu fais ta séance, tu commences ta séance, mais t'es dans une humeur où t'as envie de rigoler, t'es là, t'es content et tout, c'est que t'es pas dans ta séance. Pour moi, il faut que quand tu rentres dans ta séance, il faut que ta testo, elle agisse. Dans le sens où t'es énervé, t'es là, t'es dans ta bulle, tu marches, tu parles seul, tu t'encourages, c'est ce qu'il faut faire. Faut être dans cet état-là, cet état d'énervement qui fait que t'es là pour tout arracher, t'es là pour progresser. C'est grâce à cet état-là que ta discipline va se forger, tu vas te former, tu vas devenir plus fort. Et tu vas tout tuer dans tes séances. C'est important, faut rentrer dans cet état-là, vraiment. Exercice suivant, curl biceps neutre unilatéral. J'ai pris les 15 kilos. Normalement, ça devrait aller, c'est trop léger, on va mettre plus lourd. On va commencer comme ça. On va se faire 8 répétitions tranquillement. C'est parti. Une. Deux. Essaye de pas bouger. Trois. 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on va monter. Ce qui est bien, c'est qu'on bosse les biceps et les avant-bras. C'est important. Les gars, j'ai pris 25 kilos. 25 kilos. Ça va me tuer. Ça va me tuer. Je le sais. Mais bon, on est sur du 8 reps, on est sur du lourd. 25 kilos. Ça va me froisser, je le sens. Allez.
Ah, c'est parti. Trois, comment? Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Oh. Ah. Ben je sens que je suis bien. Je suis vraiment bien. J'ai pas tant de repos prédéfini. Je repars vraiment quand je sens que je peux repartir. C'est-à-dire que là, je marche un peu, je parle. Si je sens que, vas-y, je peux repartir, je peux faire mes 8 reps, je repars, ok? Je pense que deux têtes, ça dure moins de 2 minutes, mes temps de repos. Mais si je sens que je peux repartir, il y a la musique à côté, ça me motive. J'y vais, je repars direct. Je rappelle qu'avant un temps de repos, musculation, c'est important. C'est très important. Mais écouter son corps, c'est mieux, ok? Parce que on passe pas tous la même journée. Il y en a qui vont au travail, il y en a qui font rien de leur journée. Quand ils vont à la salle, ils vont fournir deux efforts différents. Il y en a, ils produisent plus de testo que d'autres. Il y en a, ils sont en meilleure santé que d'autres. Donc, écoute ton corps. Si tu sens que tu veux prendre 1 minute 30, prends 1 minute 30. Si tu sens que tu prends 2 minutes 30, prends 2 minutes 30. Si t'es fatigué, prends du temps de repos. Si tu sens que tu peux envoyer, envoie. C'est important. Moi, je sais que j'aime bien mettre des temps de repos génériques quand je fais des programmes, quand je m'adresse au grand public, mais quand je m'adresse vraiment à toi, personnellement, quand tu t'entraînes, quand tu fais tes séances, quand tu as envie d'envoyer, quand tu as envie de faire les choses bien, écoute ton corps. Ok? Écoute ton corps. Comme là, je suis chaud, je vais repartir direct. On y va. Une. Deux. Trois. Un. 4, 5, 6, 7, 8. Quand je fais les premières, j'ai envie de mettre plus lourd. Mais quand j'arrive à 4, je vais faire, ouais, franchement, c'est chaud. C'est lourd. Ça, il faut écouter son corps. Faut connaître son corps. Mais j'ai envie de mettre les 30 parce que je sais que ce mouvement-là, de base, quand je suis en forme, je mets les 30, 35. J'ai déjà fait à 40 kilos. Mais ça, c'est vraiment à mon prime quand j'avais un peu plus de gras aussi. Mais faut écouter son corps. C'est important. Là, je pense que tu as vu, à partir peut-être 4e, 5e, je commence à bouger. Je commence à faire des mouvements qui sont de moins en moins propres. Pas le choix. Pas le choix. C'est comme ça. La logique dirait que baisse tes charges, fais que des mouvements propres. Mais au bout d'un moment, la muscu, c'est pas ça, tu vois. La muscu, c'est de mettre lourd, c'est de se fracasser aussi. Tu vas pas que prendre des charges, que faire des mouvements contrôlés et tout. Non, tu prendras aucun plaisir. À force, tu prendras aucun plaisir. Et au bout d'un moment donné, tu vas prendre des charges. Tu vas peut-être tricher un tout petit peu sans aller dans l'exagération. Voilà. À faire des mouvements où tu vas vraiment te... Non, ok? Si tu t'aides un peu, ça va, mais si tu commences à te baisser, à faire des trucs de fou, non. Faut pas faire ça, ok? Faut se faire mal dans de bonnes conditions et là on repart, c'est parti. Allez, comment? Une. Deux. Trois. Quatre. 5, oh, 6, 7, 8, ok, très bien. Oh. Poser les haltères. On va passer à un exercice suivant. Double contraction, biceps aux haltères en supination. C'est-à-dire, je prends mes haltères. Là, j'ai pris 12,5 kg. Je vais faire une demi-rep, je vais descendre. Une rep complète, ça va faire une. C'est un mouvement que j'ai pas l'habitude de faire aux haltères. Surtout pour les biceps, mais on va le faire. On va le faire. Double contraction, c'est bien. Hein. Surtout si t'as du mal à sentir tes biceps. Si t'as du mal à avoir des sensations et tout, même des résultats au niveau des biceps. Moi, c'est mon point fort.
clairement, mais on est là pour se détruire, pour faire les choses bien, pour s'arracher. Et ce qui est bien, c'est que là, je vois qu'il me reste du temps, donc on pourra faire de l'assaut bike, on pourra faire l'assaut bike, on pourra se faire mal, on pourra s'arracher tranquillement. Mais faut que je valide ça. Au moins 2-3 séries pour qu'on soit bien. Allez. On y va. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Ok. Ok. Ça fait mal. C'est un mouvement qui fait mal. C'est incroyable. C'est incroyable, vraiment. C'est incroyable. Oh. Je prends un temps de repos court. Je prends un temps de repos court. Parce que ça va. Ça me fait mal, mais je suis pas en PLS non plus. Le problème, c'est que dans ce mouvement-là, si je prends plus lourd, c'est-à-dire les 15 kilos, la double contraction, je vais pas l'assumer. Vraiment pas. C'est-à-dire que là, c'est vraiment ma charge de travail. À part s'il y avait des peut-être 13 kilos, 13 kilos 5, ouais. Mais il n'y a pas, malheureusement. Alors pas. C'est parti. L'idée, c'est diminuer le temps de repos ou augmenter le nombre de reps. Mais diminuer le temps de repos, j'aime ça. On y va. Quatre, tu vois, je mets un peu du dos là. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Oh. 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 Ah non, aujourd'hui, on n'a pas mis les lunettes aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'entraînement lunettes ou voilà. Non. Là, c'est que de la destruction. La vraie. Parce que c'est important. Oh, on va faire encore une troisième. Encore une troisième. Après, ce qui est bien, c'est que ici, on a une poulie. Faire du curl bas. Poulie bas. Et c'est bon. On va faire un peu d'assaut bike. Oh. L'idée, c'est de se faire mal au maximum. Moi, j'ai pas besoin de faire une séance biceps d'une heure. Juste, je mets l'intensité, un peu de congestion, la contraction, tout. Oh. Et on fait les choses bien. C'est important. Allez. C'est parti. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Allez, allez. Sept. 8, 9, 10. Oh, ok. Ce qui est dur en musculation, c'est quand tu acceptes de prendre des charges comme ça, des 12,5 kg, et tu acceptes de te faire mal avec, sachant que des exercices en supination, t'as déjà pris beaucoup, t'as déjà pris des 50, 60 kilos, je parle avec une barre, même j'ai déjà pris 100 kilos, même barre olympique, poids de 20, je faisais 5 séries, comme ça, avec des bandes de poignets et tout, 100 kilos, incroyable. Fitness Park Pantin à l'époque, il me semble que j'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube, il me semble. Mais pff, avec les frérots, on s'arrachait avant, on s'arrachait sous pré-workout, sous Monster Energy, sous tout, tu vois, on s'arrachait. Vraiment. Vas-y, je vais prendre la poulie bas droite. On va faire ça bien. Curl poulie à la barre en négatif. Là, je vais pas te dire le poids de Jimmy, hein, parce que, en fait, avec les poulies et les résistances, eh ben, le poids, il est différent. Là, il y a 60 kilos sur la poulie, mais le ressenti, c'est pas un ressenti 60 kilos. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus léger, tu vois. Mais c'est assez pour mon exercice. Donc, je vais faire ma série.
Et je redescends tout doucement. On va envoyer direct comme ça. Ok? Allez. C'est parti. Quatre. Comment? Cinq. Oh. Six. Allez. Sept. Huit. Neuf. Dix. Là là, je sens que je suis bien. Je sens que je suis bien, je sens que j'ai mal. Sachant que le curl, le biceps à la poulie, barre droite, pour moi, là maintenant, là, c'est le meilleur exercice biceps. Avant, c'était le curl, biceps, barre Z. Maintenant, c'est le curl, biceps, barre droite, poulie. T'as une tension du début jusqu'à la fin. Même monter un peu là. Je vais même monter un peu. Oh. Oh. Temps de repos pareil. Hein. Dès que je sens que je suis chaud, je peux repartir. Et je repars. Je repars direct. Comme là, hein. C'est parti. Ah ouais, là c'est. Là c'est lourd là. Allez, 8 ou 10 reps. Ah. Une. Deux. Trois, comment? Quatre, ouais. Cinq, six, oh. Sept, je peux m'arrêter à huit, je peux pas. Huit, je peux passer les deux encore. Allez, allez. 9. Last one. Derrière. 10. Oh. Oh. Là, je sens que je suis. Je sens que je suis bien. Je sens que je suis bien. Oh. Là, derrière, je vais baisser. Et je vais balancer 30 répétitions. Tranquille. Là, il me restera un peu de temps pour faire l'assaut bike. Parce que j'avais envie de faire l'assaut bike. Envie de me donner à fond sur ça. Ah. Comme ça, on sera bien. Ce qui est chiant dans cette salle, c'est que j'ai des petits créneaux, tu vois. Des créneaux de 2 heures, 3 heures. C'est pas assez. Pour une séance, c'est assez. Mais pour se filmer dans une séance, te partager un maximum de contenu, c'est pas assez. Allez. Fais ça bien. Fais ça bien. 30 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, allez, 26, 27, 28, 29, oh. Oh. C'est horrible. Je voulais garder la même cadence du début à la fin. Mais à partir de 15 déjà, je voulais faire des pauses. Je voulais faire des pauses. Niveau de la congestion, ressenti, on est bien. Je cherchais le vélo de la mort et on y va. C'est à partir de ce moment-là où je me dis que l'entraînement commence, tu vois. Même si qu'on a fait les bras, c'est bien, on s'est fait mal. Mais c'est ça, tu vois. C'est ça qui fait en sorte que fait les choses bien. Ça arrache, tu vois. C'est important. On va essayer de se faire 3, 4 accélérations.
Et puis voilà, explosivité, on se fait mal, on fait ça bien, c'est important. Allez, pas perdre de temps, on va faire ça bien, et on va s'arracher comme il se doit. C'est parti, let's go! Comment? Ce bac, c'est chaud. C'est chaud, c'est fatigant. Comment? Je vais te faire un peu les triceps. C'est important, il me reste un peu de temps. Pronation, 20 reps, supi. Wow. Oh. Là, je vais mettre un peu plus de contrôle là. Oh, et plus lourd. Ok, là pour la dernière, beaucoup plus de contrôle. 10 reps. Chacune. On y va. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Allez. 8. 9. 10. Wow, ça me brûle. Ça me brûle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. 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 Oh, je baisse la musique. Oh. Cette séance était rapide, elle était simple. Mais je voulais la partager avec toi. Je voulais te partager une séance avec de l'intensité. J'espère que tu peux la kiffer. Si c'est le cas, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Comme je t'ai dit, cette salle, on l'a louée. On va la rentabiliser vite. Quand j'aurai plus cette salle, je vais refaire des vlogs, refaire des trucs cool. Mais là, cette salle, j'ai envie de l'exploiter à fond et te faire des formats un peu comme les bulk day, ok? En tout cas, moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.